religieusement les conseils que Jésus dans sa mansuétude, son amour et sa miséricorde infinie nous adresse. Et essayons avec le secours de sa très sainte grâce de les mettre en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, pardon pour toutes nos fautes, nous nous reconnaissons pécheurs devant toi. En ta grande bonté, viens, viens à notre secours. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Lave-nous de nos fautes, purifie-nous de notre péché. Humble et pauvre Seigneur, nous voici devant toi. Donne-nous, donne-moi de prier vraiment en toi, en nous unissant profondément à la prière que tu mets toi-même en nous. Gloire et louange à toi. Préparons notre cœur et avançons avec notre Seigneur sur son chemin de croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Viens me contempler sur le chemin du calvaire où mon sang va se répandre. Adore-le et offre-le à mon Père céleste pour le salut des âmes. Ensemble commençons sur les trois grains qui précèdent la première station. Et disons un pater, un ave, un gloria. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Méditons sur l'agonie de Jésus à Gethsémani. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis
Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure? Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez. » L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Jésus ressent la peur de la mort qui approche, la tristesse, l'effroi, l'angoisse. Il entre dans l'expérience humaine de la mort. Il n'échappera pas à cette expérience, car il doit la vivre pour être pleinement homme et pour qu'il ne puisse par la suite être dit qu'il a négligé un aspect de son humanité. À l'angoisse ressentie par Jésus, un détail physique qui en décuple la violence. Entrer en agonie, il priait de façon plus instante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, à son agonie, au jardin de Gethsémanie. Par tous ses mérites divins, pardonnez aux hommes et sauvez-les. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Première station. Jésus est condamné à mort. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Écoute prononcer ma sentence de mort. Vois avec quel silence, quelle patience et quelle mansuétude mon cœur la reçoit. Quand tu regardes mes souffrances, tu me reposes. Dis-moi que tu ne t'ennuies pas de parcourir le chemin avec moi. Ce que tu fais pour moi avec joie me plaît davantage. Contemple mon cœur à toutes les phases de la passion. Considère mon amour. Regarde mes yeux. Tu n'y verras que de l'extrême douceur et de l'extrême amour. Au milieu de l'extrême cruauté, offre au Père, à chaque station, le sang que j'y ai versé pour le salut du monde. Rappelle-toi, qu'en montant au calvaire pour la gloire du Père, je priais pour ceux qui m'accompagnaient. Accompagne-moi. Jamais tu ne mettras dans ta reconnaissance autant d'amour et de joie que j'en ai mis à souffrir pour vous sauver, vous. J'ai fait vivre les miens jusqu'à en mourir. Vous qui voulez imiter ma conduite, apprenez à garder le silence et la sérénité devant ce qui vous mortifie et vous contrarie. Méditons ensemble. Jésus, innocent de toutes les accusations portées contre lui, est debout devant le tribunal. Pilate, par faiblesse et lâcheté, prononce contre lui la sentence inique. Jésus, tel un agneau que l'on mène à l'abattoir, n'ouvre même pas la bouche. Jésus nous dérange par ses exigences d'amour, par son choix des petits. Ô Jésus, quel crime as-tu donc commis pour être ainsi condamné à mort et à la mort sur la croix? La cause de ta mort, c'est ton amour pour nous. N'avons-nous pas, nous aussi, condamné parfois notre prochain et avec une inconscience coupable, blessé sa réputation par médisance ou calomnie? Pourtant, Jésus a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ô mon Sauveur, si nous avons fait du tort à quelqu'un de cette façon, fais que nous le regrettions sincèrement. Inspire-nous, nous t'en prions, le respect de la réputation de notre prochain. Jésus, toi qui es venu nous déranger dans nos sécurités pour nous révéler un ordre nouveau, un amour nouveau, donne-nous la force de t'accueillir et de te suivre jusqu'au bout. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de notre Rédempteur, nous vous adorons avec grand respect et grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Qui veut venir après moi, qu'il se renonce et porte sa croix chaque jour. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Regarde la croix chargée sur mes épaules. Son poids est grand, mais combien plus encore mon amour pour les hommes. Avec quelle joie intérieure j'ai embrassé ma croix quand on me l'a apportée. Depuis si longtemps, je la désirais à cause de vous et pour obéir au Père. Elle était votre salut. Sauver le monde. Sais-tu ce que cela a été pour moi? Je vous ai porté comme une mère en portant ma croix. Reçois la croix de chaque jour comme j'ai reçu la mienne. Il ne faut pas seulement la porter, il faut la prendre, ma croix. Oui, elle est bien mienne, car nous ne faisons qu'un. Quand tu la rencontreras, je suis avec elle. Accueille-nous donc, ensemble. Portons notre croix, tous les deux. Regardez bien mes souffrances, puisqu'elles sont pour vous. Offrez-les au Père pour réparer. Puisque vous avez le pouvoir de réparer. Vous qui m'aimez, comparez vos souffrances avec l'amour que vous avez pour moi et ne laissez pas l'abattement éteindre la flamme de cet amour. Méditons ensemble. Le Christ, épuisé, humilié, injustement condamné, prend la croix sur ses épaules. Il la porte vers le calvaire, car c'est par elle qu'il veut nous sauver. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, a dit le Christ. Il accueille l'épreuve et demeure en communion avec son Père. Je ne suis pas seule, puisque le Père est toujours avec moi. Nos croix, ce sont nos échecs, nos afflictions, nos soucis, nos maladies. Seigneur Jésus, aide-nous à porter notre croix derrière toi, sans nous plaindre ni récriminer, et que nous parvenions au salut éternel. Donne-nous la force de ton Esprit Saint pour que nous sachions accueillir avec toi
l'épreuve qui purifie pour que ton règne d'amour vienne. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect et un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Voici l'agneau. Voici celui qui ôte le péché du monde. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Le poids de la croix me fait tomber à terre, et mon amour pour les hommes me relève et me rend un nouveau courage afin de poursuivre le chemin. Il me pousse sur le chemin du calvaire. Ma fatigue est si grande, mon corps tellement brisé, sans force, que je tombe à terre, baigné de sueur et de sang. La croix si lourde retombe sur moi, m'écrasant sous son poids. Les pierres du chemin meurtrissent mon visage. Le sable et la poussière se mêlent à mon sang pour obscurcir mes yeux et se coller à ma face. Je suis l'être le plus misérable de la terre. Si le poids de la croix me fait tomber, le zèle du salut des âmes me relève et m'encourage à poursuivre mon chemin. Regarde-moi, allant jusqu'au bout de chaque souffrance, ne t'épargne pas. Il faut que rien de ce que j'ai souffert ne soit perdu. Recueille-le, offre-le au Père. Vous, que j'appelle à partager ma croix, voyez si l'amour de vos frères vous donne une nouvelle vigueur pour avancer sur le chemin de l'abnégation, ou si l'amour excessif de vous-même vous abat sous le poids de ma croix. Méditons ensemble. Jésus tombe à genoux, d'épuisement, sous le poids de la croix et de la cruauté des hommes. Mais il ne la rejette pas. Il se relève et la reprend pour la porter plus loin. Il n'est plus le maître debout qui parle avec autorité, fait des miracles. Le voilà,
faible, homme de douleur gisant par terre, qui le relèvera? Il est lourd le fardeau des croix qui parfois pèse sur nous. Nous tomberons peut-être sous l'assaut des tentations et des adversités, ou alors nous laisserons-nous abattre par le découragement et le désespoir. Aujourd'hui, combien de personnes sombres dans la dépression se sentent écrasées de tristesse, de solitude, accablées par des sentiments de culpabilité, abandonnées de leur famille, ne sachant que faire, qui les délivrera? Seigneur Jésus, épargne-nous les chutes si nous tombons. Aide-nous. Aide-nous aussi à relever nos frères et sœurs qui souffrent. Ô Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion. Par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins, pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect, un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oh, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Vous êtes maintenant dans l'affliction, mais votre affliction se changera en joie, comme celle de la femme qui enfante. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Ici, je rencontre ma mère très sainte et très aimée. Contemple le martyre de ses deux cœurs. Mais leur douleur s'unit. Elle les fortifie mutuellement. Et bien que douloureusement, l'amour triomphe. Considère ma mère, s'élançant vers moi, dans le grand désir de m'aider. Elle ne le pouvait pas. Mais ce geste et le désir de son cœur m'ont grandement consolée. Faites ainsi souvent, élancez-vous vers moi, et plus tard, vous verrez les joies que vous m'aurez données. En m'embrassant, ma mère a reçu la force d'assister à la mort affreuse de son fils. Elle fut tachée de mon sang. Demandez-lui d'envoyer ses gouttes pour la conversion des pécheurs.
Cela coûte cher, une âme. Il faut du temps et des sacrifices. Souffre pour elle. Attache tes souffrances à mes souffrances, afin de plaire davantage au Père. La passion et la mort que je souffre dans mon corps, ma mère les souffre dans son cœur. Vous qui cheminez par le même sentier, qui m'aimez, que la vue de nos mutuelles souffrances vous anime et vous fortifie, afin que l'amour triomphe, que l'union dans la douleur vous soutienne et vous fasse embrasser généreusement les épines du chemin. Méditons ensemble. Ô perfection inégalée de l'amour maternel, Mère très sainte, fais que toutes les mères prennent ainsi à cœur le salut de leurs enfants et que les enfants sachent reconnaître et respecter cet amour. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect et un grand amour. Pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Et pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Cinquième station, Simon de Cyrène. Aide Jésus à porter sa croix. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Voyez comment cet homme accepte, pour un faible gain, cette charge pénible et cruelle. Contemplez aussi mon corps qui perd ses forces. Aussitôt après avoir rencontré ma mère, un secours m'est venu, Simon, le Cyrénéen. Aie souci pour les pécheurs,
ton prochain. Quand tu pries pour les pécheurs, c'est comme si tu me tendais la main pour m'aider. Quand tu aides ton prochain, c'est moi que tu aides. Si ta charge est trop lourde, prends en plus celle des autres. Tu soulageras un peu ma croix sur le chemin. Tu m'aides quand tu travailles à devenir meilleur. As-tu travaillé à la rédemption? Certaines âmes ne pensent ni à leur fatigue, ni à leur souffrance. Elles n'ont qu'un seul désir, me prouver leur amour et consoler mon cœur. Ce sont elles qui portent vraiment ma croix et qui reposent mon cœur. Si le courage vous manque, en face de l'effort à soutenir contre votre nature, comprenez, comprenez bien que ce n'est pas pour une jouissance terrestre que vous vous êtes engagé à porter ma croix, mais pour acquérir la vie éternelle et procurer le même bonheur à beaucoup d'autres. Méditons ensemble. Les soldats redoutent de voir mourir sur le chemin le condamné épuisé, qui peut à peine tenir debout. Il réquisitionne alors un paysan inconnu pour aider Jésus à porter la croix jusqu'au Golgotha, Simon de Cyrène, qui par ce service à la passion de Jésus a reçu la grâce de la foi et du salut éternel. Nous aussi, nous devons savoir nous porter la croix les uns des autres, manifester bienveillance et compassion, consoler, encourager, secourir nos frères dans la peine ou le dénuement. Le Christ a dit, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Seigneur Jésus, fais qu'en chacun de nos frères, nous reconnaissions ta présence. Libère-nous de l'égoïsme. Enseigne-nous à aller à la rencontre des autres. Rends-nous disponibles pour marcher avec ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Sauveur, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect, un grand amour, pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Il est défiguré. Son aspect n'était plus celui d'un homme.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. Voyez avec quelle charité cette femme vient essuyer mon visage et comment son amour sait vaincre tout respect humain. Contemple mon visage douloureux. Ce sera comme le doux linge de Véronique. Elle me le tendait et d'une main je l'ai appuyé sur ma face, lui en laissant l'empreinte. Regarde ma figure de pauvre homme battu par des esclaves en fureur. Regarde mes yeux remplis de larmes et de sang et souviens-toi que je suis ton Dieu. Regarde bien mon visage quand je sauvais les hommes. Un visage qui veut donner la vie. Vous imaginez ce qu'il peut exprimer d'amour? Contemplez. Aimez mes blessures que j'ai gagnées à votre service. Je dis bien gagner, car c'est bien un gain de mon cœur pour vous. Voyez, si vous ne pouvez pas commencer à m'aimer comme je veux l'être, par-dessus tout, quand tu me consoles, j'imprime ma face sur ton âme. Ne permettez pas que la crainte de perdre l'estime des hommes vous empêche aujourd'hui d'essuyer par des actes généreux les blessures de mon visage. Regardez le sang qui l'inonde. Méditons ensemble. Le visage de Jésus est trempé de sueur, sillonné de sang, couvert de crachats insolents. La foule se moque de Jésus, le frappe et le bouscule, mais Véronique, femme au cœur droit, a le courage de s'avancer devant tout le monde pour accomplir un geste de compassion. Elle sait qu'il est innocent. Bravant la meute déchaînée, elle se précipite et essuie le visage de Jésus. Forte de sa foi, elle ne craint personne. Aide-nous, Seigneur, toi qui souffres en celui qui souffre, à nous approcher de celui qui attend un geste de bonté. Que ta grâce assure notre foi pour que jamais de toi nous ne rougissions et que toujours et partout, sans hésitation, nous te rendions témoignage. Donne-nous la force de l'amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort, de notre indifférence, pour essuyer ton visage dans le visage de ceux qui souffrent. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion, par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore dans un grand respect et avec un grand amour pour réparer les outrages. Vous recevez des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Nous t'adorons, ô Christ,
et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Écoutons ce que nous dit Jésus. La croix épuise mes forces. Le chemin est long et pénible. Personne ne s'approche de moi pour me soutenir. Et mon angoisse est telle que je tombe pour la seconde fois. Le Christ a porté les péchés de tous les hommes. Unissons-nous à lui. Prends courage. Ne m'en a-t-il pas fallu pour monter au calvaire? Regarde si un homme peut aimer autant que moi. Pensez souvent à mes chrétiens du monde actuel, les souffrants, les persécutés, les abandonnés, les exilés, ceux que l'on martyrise à cause de mon nom, ceux qui dans leur corps en destruction continuent à me bénir, à m'appeler de leur amour. Offrez mes mérites au Père. Ils sont à vous, je les ai achetés avec ma douleur. J'ai tout mérité pour vous. Prenez, c'est à vous. Tu ne sais pas la force de la prière. C'est comme un bras puissant qui viendra aider le mien, car je permets que l'on m'aide. Ne vous découragez pas, vous qui cheminez à ma suite. Si votre vie est sans consolation, pleine de sécheresse et d'aridité, abandonnée de tout appui, ranimez votre courage en contemplant votre modèle sur le chemin du calvaire. C'est la seconde fois que Jésus tombe, mais il se relève et poursuit sa route jusqu'à la fin. Si nous voulons reprendre un peu de force, embrassons ses pieds. Méditons ensemble. Malgré l'aide de Simon de Cyrène, Jésus, affaibli, trébuche et tombe une seconde fois, écrasé sous le poids de la croix. Ses forces l'abandonnent toujours davantage, mais à grand-peine, dans un sursaut d'énergie, il se redresse et poursuit son chemin. Ô Jésus, que signifie pour nous pauvres pécheurs cette deuxième chute? Elle nous exhorte à nous relever sans cesse, sans jamais perdre espoir. Quelles que soient nos bonnes résolutions, combien de fois n'avons-nous pas cédé aux mêmes tentations? Nous sommes si faibles et si souvent complices de nos penchants mauvais. Seigneur Jésus, délivre-nous des fautes commises par habitude ou lassitude. Et par ta grâce, relève-nous sur la route du bien. Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre Fils, a répandu dans sa passion. Par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines, par son cœur, par tous ses mérites divins. Pardonnez aux hommes et sauvez-les. Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect et un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Jésus, tout pécheur que nous sommes, soyez-nous propices. Thank you.